Yahoo dimanche, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour un bilan lecture. Et dans cette vidéo je vais te parler des tomes 1 à 3 du manga La Fleur Millénaire. Un manga des éditions casées dans le genre shoujo. Nous sommes avec le thème romance et historique. L'œuvre date quand même de 2008 au Japon et de mars 2013 en France pour son premier tome. Je vais te mettre du coup à côté de moi la date de sortie du tome 3 donc pour cette vidéo. Donc on est sur un manga, si je ne me trompe pas, qui est en 15 tomes, sinon ça sera écrit à côté de moi. Et surtout le dernier tome en tout cas sort en juillet du coup 2017, donc ce mois-ci. C'est pour ça d'ailleurs que je te le présente. Et nous sommes sur un manga je conseille officiellement aux 10 ans et plus. Personnellement j'aurais tendance à te dire d'essayer d'avoir plus 12 ans pour lire cette série. Donc du coup c'est parti avec mon avis sur la qualité du dessin, où je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de cœur. Par contre, avant de commencer à te donner mon avis sur la qualité de l'histoire, sur le développement, la relation des personnages, etc., je tiens à te faire une petite parenthèse pour t'expliquer pourquoi je fais un bilan lecture avec seulement 3 tomes. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que je ne possède pas que les 3 premiers tomes, je possède les 4 premiers tomes. Mais alors là, tu es en train de te dire, ouais, mais pourquoi alors il nous fait un bilan lecture sur 3 tomes, il aurait pu nous le faire sur les 4. Et c'était ça. Mais malheureusement, en fait, il y a eu un petit souci technique qui fait que du coup, je suis obligée de mettre en pause cette série. Je t'explique. Tout simplement, j'ai acheté du coup le premier tome sur le site Momox en occasion. Et du coup la série se termine en juillet. Moi je filme, on est encore au mois de juin. On est vers la fin du mois de juin, mais on est quand même au mois de juin. Et donc du coup je commence à acheter le tome 1 sur le site Momox il y a quelques temps, en me disant je l'aurai pour commencer. Puis je lis le tome 1, tout va bien, j'adore la série. Donc du coup je me dis, je vois sur le site Momox tome 2, 3 et 4 de dispo. Je me dis ok, en avant, j'achète les 3 prochains tomes sur le site Momox et je continuerai du coup en jonglant entre Amazon, Fnac et Momox ou Gilbert Joseph, peu importe, ceux qui auront les volumes. Et en fait, en voulant continuer la série, donc je lis le tome 2, je lis le tome 3 et sur le point de finir le tome 3, je me dis là, tu es presque, on est jeudi, donc moi le jour où je filme, on est vendredi, c'est pour ça que je t'explique. On est jeudi, je me dis écoute, tu vas t'arrêter là au niveau de ta lecture, tu vas vite commander parce qu'il n'est pas encore 13h, tu vas vite commander sur Amazon le tome 5, 6 et 7. Donc au départ je ne fais pas attention au tome 7, je me concentre sur 4 et 5. Sur Amazon, j'ai le problème de livrer sous 2 à 5 semaines. Pas possible vu que je veux présenter ce manga au niveau de sa sortie en France, donc de son dernier tome, donc en début juillet. Donc je passe via la Fnac, qui est ma deuxième roue, à chaque fois je fais toujours dans cet ordre là. Je passe par la Fnac, je vois qu'ils sont disponibles, je vois que je peux même les faire livrer au Fnac de Auchan Lac, sachant que je devais y aller samedi. Je me dis c'est bon, en plus je peux le recevoir, il sera prêt même vendredi en magasin, donc c'est tranquille, je peux. Et je continue de finir mon manga parce qu'il me restait, je devais être je crois quand même à la moitié du volume. Et je me dis, en fait, il me faut le tome 7 aussi parce que c'est trop, j'aime trop et je vais t'expliquer après pourquoi et tout ça. Mais j'aime trop, donc il faut que j'achète aussi le tome 7. Et là, catastrophe. En fait, je me rends compte que sur la Fnac, sur Amazon, sur Momox et sur Gilbert Joseph, le tome 7 est introuvable. Donc ce que je fais, c'est que je me dis vite, je vais aller voir si le site de Kazé propose de vendre le manga. J'ai pas pensé d'ailleurs à, c'est quoi, Black Box, qui revend aussi certains mangas. Je sais pas s'ils font cette maison d'édition, j'ai pas pensé. Mais toujours est-il que je me dis, je suis foutue. Le site Kazé n'a pas, en fait Kazé n'a pas de site apparemment à lui-même. J'envoie un message Instagram au compte Instagram du coup de Kazé France, leur disant tome 7 introuvable pour moi, au cas où qu'ils aient peut-être une solution de me dire, et je sais qu'il est dispo sur tel site ou Y, voilà. Vu que j'aurais dit vraiment les 4 sites que j'avais essayé et où il n'y avait pas du tout de tome 7. Donc du coup je me suis dit arrête au niveau de l'achat du tome 5 et 6 parce qu'en fait ça ne te servira à rien vu que de toute façon tu ne vas pas continuer la série si tu es bloqué. Donc je me dis on reste bloqué vu que je venais de finir le tome 3, hein, au final j'ai fini le tome 3 hier. Je me suis dit on arrête là, de toute façon sur le tome 4 t'as un récap de ce qui se passe, donc tu arrêtes là.
Donc voilà, donc sachant que j'ai prévenu la maison d'édition que j'étais en galère, sachant que impossible de trouver le volume suivant, je me suis dit autant arrêter parce que c'était une dépense inutile du coup d'acheter le tome 5 et 6. Je t'explique tout simplement pourquoi je dis inutile, tout simplement parce que ça aurait été de l'argent dans des mangas bloqués. Je ne vais pas lire la suite vu que je serai bloquée de toute façon, donc c'est pour ça que j'ai arrêté au tome 3 et je n'ai pas lu le tome 4, sachant que je savais qu'il y avait un récap, donc j'étais tranquille. Et surtout que actuellement, au niveau des dates de sortie des mangas qui se terminent pour la Japan Expo, j'ai des listes assez grandes au niveau des séries et que du coup, le prix de deux mangas neufs, je sais pas à combien ils sont ceux-là. Je crois que j'avais pas la. Si, 6,69 € apparemment décrit sur l'un des volumes. Je me dis que ça fera toujours deux tomes de plus pour une autre série que je pourrais peut-être lire en entier. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout par rapport à cette parenthèse, mais t'expliquer pourquoi en fait je te fais qu'un bilan lecture sur les trois premiers. Par contre, je tiens à dire clairement que ces trois premiers tomes ont été une tuerie, ces trois premiers tomes ont été un méga coup de cœur, la relation des personnages est très 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 bien développée, pour moi parfaitement développée, la relation des personnages est très bien gérée et on voit limite que l'auteur. J'allais dire pas que c'est un dieu, mais tu vois qu'il y a du haut level quand même, parce que l'auteur sait gérer tout. Et qu'il te développe tous ses personnages au fur et à mesure, au compte-gouttes, etc. Par contre, petit détail que moi, j'ai un petit peu, ça m'a un petit peu énervé, c'est que pour le tome 3, quasiment les trois quarts du volume sont un flashback pour nous expliquer du coup la relation entre deux des personnages de la série. Donc certes c'est un petit peu ennuyant parce que tu te dis bah t'avances pas ta série, mais en même temps ça te permet pardon, de comprendre la relation entre deux des personnages et du coup à expliquer pourquoi ce personnage-là a tel ou tel comportement. Donc finalement ce n'est pas trop trop dérangeant honnêtement, bien que je ne sois pas trop fan des flashbacks comme ça aussi énormes. Là, c'est quasiment tout le volume quoi qui est pris pour ça. Donc voilà. Mais il faut savoir en tout cas que pour 3 tomes, je suis plus que convaincue. Donc en ce qui concerne ce manga, je tiens vraiment à le placer. Mais non, je n'envisage absolument pas de le revendre. Même si je pourrais très bien revendre les 3 premiers tomes. Parce que ça a été vraiment un méga coup de cœur. Et j'ai envie de garder cette œuvre dans mes étagères. Par contre, oui, il se peut que plus tard, genre dans 6 mois, je te ponde une nouvelle vidéo bilan lecture, par exemple, avec du tome 4, du coup, à tome 10, parce que j'aurais réussi à avoir tout ça d'un coup, etc. Mais voilà, je tiens vraiment à le placer là-dessus. Ce n'est pas que je n'aime pas cette série et que je l'abandonne parce que je n'ai pas apprécié. C'est un abandon involontaire, un choisi, si ça se dit. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas un choix personnel que d'arrêter cette série. C'est tout simplement que le tome 7, à part le payer à une personne qui le revendait sur Amazon et la Fnac à 36 €, moi non, c'est hors de question. Donc voilà, je vais attendre patiemment et je reprendrai cette lecture quand le dieu des mangas voudra bien. Voilà. Mais en tout cas, crois-moi, cette série en vaut la peine et vaut la peine qu'on s'arrête sur elle parce qu'elle est vraiment très 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 intéressante. Je tiens aussi à le placer au cas où, mais il faut savoir que j'adore les mangas dans le genre historique et surtout cette époque-là du Japon, les samouraïs, l'ère Edo, l'ère tout ça. C'est vraiment une époque que j'apprécie énormément et que j'aime d'amour. Donc dès que je tombe sur une série, limite à chaque fois ça finit en coup de cœur. Elles sont toutes bien développées quand même. Mais voilà, il faut savoir que c'est vraiment une période et un type de manga que j'apprécie énormément. Donc du coup, ça aide aussi beaucoup. Voilà. Donc du coup, je te laisse avec la suite et la présentation des couvertures. Donc du coup, comme je te l'ai expliqué dans la partie précédente, je possède du coup les 4 premiers tomes. Donc dans cette partie, je vais te présenter aussi le 4e tome, même si je pense que je représenterai si un jour je fais du coup une suite à cette vidéo. Mais toujours est-il que je vais te le présenter vu que je le possède. Donc du coup, en ce qui concerne les jaquettes, je les ai juste surkiffées. Enfin, j'adore l'ensemble des couvertures. Donc voilà, je trouve les illustrations sublimes. Voilà pour l'avant. L'arrière qui est comme ceci. Sur les bordures du coup de jaquette, on va avoir rien du tout ici. Et ici, du coup, on a une biographie de l'auteur, mais avec une phrase. Donc ça, c'est ce que j'adore. Et un petit mot de l'auteur avec ici des carpes koi. Oh, c'est marqué poisson rouge. Moi, j'aurais dit carpe koi. En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette, on se retrouve du coup avec une couverture très soft, mais efficace. Et l'arrière qui reste aussi sobre que l'avant. Donc ça, j'adore énormément. Quand on ouvre le manga, du coup, on tombe directement sur la page d'entrée, sur une sublime image de sommaire et directement le manga.
Pour ce qui est du coup du tome 2, voilà l'illustration que je trouve magnifique et qui correspond à ce qui se passe dans le volume. Je n'en dis pas plus en ce qui concerne là. Sur le côté jaquette arrière, on n'a rien. Sur le côté avant, on a toujours un mot de l'auteur avec une illustration. Voici du coup la première page d'entrée. Et du coup, une sublime image pour le sommaire. Voilà. Donc ce qui est dommage sur le tome 2, c'est qu'on n'a pas eu de récap de ce qui se passait dans le premier volume. Par contre, à partir du tome 3, on l'a. Donc ça, j'ai trouvé ça quand même cool. Et moi, ça va être sympa pour reprendre cette lecture quand ça sera le moment de relire du coup et de continuer la fleur du millénaire. Enfin, la fleur millénaire, pardon. C'est que tout simplement, pour le tome 4, il y a aussi un récap. Donc voici l'illustration et je tiens à dire que toutes les jaquettes, je les trouve juste divines. Donc voilà. Ici, pareil, on n'a rien. Ici, on a une fois de plus un mot de l'auteur, la page d'entrée. Et donc du coup, ce que j'ai adoré, c'est qu'on a un récap des personnages, un récap de la carte avec les pays, du coup, Asso, Do et Co. Et on a surtout une page entière de résumé de ce qui s'est passé sur les deux précédents volumes. Et ça, je trouve ça top. Parce que c'est pas un petit résumé de 2-3 lignes. L'histoire est tellement compliquée, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on apprend rien qu'en 3 tomes. Qu'il faut vraiment une page entière. Enfin, sur les deux premiers tomes du coup. Donc, pour ce qui est du tome comme ça. J'ai pas montré, mais en fait, à chaque fois, c'est la même chose à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pas montré. Hop. Donc, on reprend. On était sur le tome 4. Donc, par contre, je crois que dans tout... les jaquettes, c'est celle que j'aime le moins, il me semble. Enfin non, toutes les, celles qui sont dispo. Enfin, en tout cas, ça c'est sûr que pour cette vidéo, c'est celle que j'aime le moins, pour l'avant et l'arrière. Donc la page d'entrée avec le petit mot d'auteur. Donc là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a les ailes qui fait un récap de derrière. Hop, un récap du coup comme la dernière fois, Asso, Do et Co. Et du coup encore un résumé de ce qui s'est passé dans les trois précédents volumes. Et je ne vais pas te montrer la première page d'entrée vu que voilà, et on a la page de sommaire avec nos protagonistes en mode enfant. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air, pense à t'abonner en cliquant sur ma tête juste en dessous, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pense à aller voir du coup les vidéos que je te mets juste à côté et n'oublie surtout pas de me mettre un commentaire pour me dire si tu connaissais cette série ou pas du tout, si je t'ai donné envie de la découvrir ou absolument pas. Et si tu as déjà lu ce manga, n'hésite pas à me mettre ton avis en commentaire, ça me ferait très plaisir de le découvrir et ça permettra aux autres penchants de se guider pour un plus sur achat. Sur ce, à bientôt!